Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur LEGO City Undercovers. Et on se retrouve à l'agence de location de limousine de Cheng Chuang pour la suite de notre mission. Qu'est-ce qu'il trafique là-dedans? Un, deux... Ah, bravo. Ah oui. Ah, du parcours. Alors attention. Heureusement le jeu il est pas salaud. Il nous attend. Ah merde, j'ai oublié de sauter. Le boulet. Ah ouais, non mais là j'ai vraiment carrément tout loupé. Hein. On va finir par le paumer, notre collègue. Hein. Allez, on se concentre un petit peu. Hein. Moi le parcours en général ça fait 12. On va finir par y arriver quand même. Le funambule. C'est le bon, s'était planté tout à l'heure. Tu vas la prendre l'échelle, oui. S'il faut, on arrive même à la rattraper, rien de ça. Putain, mais je suis nul. Puis alors me changer la caméra comme ça pour 2 secondes. T'as ce ninja, hein. Allez, on va arriver à le choper. Dans la poubelle, ouais, très classe. Stop, je suis Chase. Natalia. Oh, je pensais avoir affaire aux hommes de Chen. C'est un peu le cas. Je suis sous couverture dans son gang. Pourquoi étais-tu dans son bureau? J'essaye de trouver mon père, Chase. Hein? Quoi? Caché dans un tiroir? Non, non. C'est juste qu'avant sa disparition, on a vu mon père monter dans une limousine. Qui appartenait à Chan? Je pense, oui. Mais je n'ai rien trouvé dans le bureau de Chan. Juste des sacs d'argent vides du papa Lardose. Du papa Lardose? Oui, tu sais bien le glacier avec ses camionnettes. Oui, je me souviens. Mais si Chan travaille pour le gang de Vinny Papa Lardo, ce serait Vinny qui bosse pour Rex? Hé, hey, où vas-tu? Chan doit garder mon père prisonnier ailleurs. Arrête! C'est trop risqué! Je trouverai ton père. C'est le moins que je puisse faire. Je ne te laisserai pas mettre mon père en danger juste pour que tu puisses réparer tes erreurs passées. Ce n'est pas pour ça que je veux t'aider. C'est mignon. Alors, on a débloqué un succès de plus avec le super parcours de merde qu'on a fait.
S'il est pris 15 fois. Il y a plusieurs parcours à faire dans la ville aussi. Et on commence le chapitre 6 du jeu. Qu'as-tu trouvé dans mon bureau, chauffeur ? Rien. Je crois que c'est un animal qui est entré et qui a déclenché l'alarme. Une sorte de mule très têtue. Oh, pas encore ! C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas stocker de carottes là-bas, idiot ! Vous inquiétez pas, personne ne sait que vous travaillez pour Vinnie Papalardo. Excellent. Quoi ? Tu as regardé mes registres ? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais, waouh, Vinnie Papalardo est un criminel d'envergure. Peut-être. Mais Vinnie Papalardo, lui, se met facilement en colère. Quoi ? Je suis très calme, moi ! Et je te vire ! Et puis, il ne fait confiance à personne. Plus depuis que Mo, son bras droit, s'est fait arrêter, en tout cas. Ah ! Vinnie serait probablement très reconnaissant envers quiconque résoudrait ce petit problème. Oh, oui ! Il suffirait de voler un fourgon pénitentiaire et de le récupérer à la sortie du tribunal où son procès a lieu aujourd'hui. Ha ! Attends une minute ! Tu comptes pas rejoindre sa bande ? Si ! Tu es mon chauffeur ! Plus pour très longtemps. Si je réussis à tirer Mo de prison, ça pourrait m'ouvrir les portes du gang de Vinnie et me rapprocher de Rex. Chase, t'as besoin de quelque chose ? Que peux-tu me dire sur le bras droit de Vinnie Papalardo ? Mo De Luca ? Ce n'est pas vraiment un criminel, juste le cousin de Vinnie. Alors pourquoi passe-t-il en procès ? Laisse-moi voir ça. Pas mal. 412 amendes de stationnement impayées. Des contraventions ? Mais alors, je suppose que ce n'est pas trop grave s'il ne va pas en prison. Qu'as-tu l'intention de faire, Chase ? Chan bosse pour Vinnie et je suis pratiquement sûr que Vinnie travaille pour Rex. Mais pour approcher Vinnie... J'ai besoin qu'il me fasse confiance. En faisant s'évader Mo De Luca ? Ça ne m'a pas l'air très réglementaire, tout ça. C'est la seule piste que j'ai. La police aurait-elle un fourgon pénitentiaire que je puisse emprunter ? Peut-être. Va donc voir Chuck derrière le commissariat. Je vais le prévenir. Ouais, ça, c'est un truc qu'il faut faire avec Rex. À la fin, on débloquera Rex. Et pour l'instant, eh ben, il faut qu'on pique une bagnole... Désolé, c'est pour la police. On va vite se rendre. Donc faut qu'on aille piquer un camion de flic. Garde les yeux sur la route, ah, putain, quel con, il s'arrête au milieu de la route aussi. Pour essayer d'intégrer le gang de Vinnie. Qui est donc un gang un peu plus influent que le gang de Chang Chuang. Et qui va nous permettre d'approcher d'encore un peu plus près Rex Fury. Alors on revient à notre point de départ, on se souvient, première mission avec l'histoire du ferry pour aller à la prison de d'Albatros Island. Ah, il y a un truc que j'ai loupé. Est-ce qu'il serait buggé, gueule ? J'ai l'impression qu'il est un peu dans le freeze. You. Ah d'accord. Il faut que je lance la mission par derrière le. Putain, je le crois pas. Ah c'est con les jeux quand ça fait ça. Donc du coup, tant que t'es pas allé derrière pour lancer la mission, ça ne marche pas. Très bien. Alors pendant tout à l'heure qu'il y avait tout ce dialogue entre Chase et Ellie,
J'ai construit un des autres points de spawn de voiture. On a plein à faire aussi. Voilà, allez. On va pouvoir s'y mettre là. Bonjour, agent McCain. Je vous attendais. Super. Ouais, super. Alors, moi aussi. Vous auriez un fourgon pénitentiaire pour moi? J'en ai bien un. Allez. Et je risque d'avoir de gros ennuis si je vous le prête. Il y a peut-être un service que je pourrais... Parfait, vous lisez dans mes pensées. Prenez cette caisse et suivez-moi. Déposez-moi la caisse ici. C'est une moto que j'ai achetée par correspondance. Oh zut! Les roues sont pas livrées avec. Vous pensez que vous pourriez m'en procurer? Il lui manque les roues. Très bien. Et je vais trouver ça où, moi, les roues? Elle va être bonne, lui. Là, il y en a une déjà. Merci pour l'échelle. Bah, il faut deux roues. Alors déjà, j'en ai trouvé une. L'autre. Ou une autre, c'est pas un monocycle. Et où ça va, oui. Tu vas te calmer, oui. Alors où est-ce que peut bien être cette autre roue? Là non, dans la poubelle dehors, ça m'étonnerait. Ouais, là ça me donne pas une roue, ça me donne juste... Tiens, là il y a un truc à construire. Ah tiens, est-ce que ça serait là? On pêche et on ressort une roue. Ça serait pas impossible ça. Ouais, bingo. En plus, c'est pas à côté, hein. Punaise. Et de deux, plus qu'une et... Ah bah non, non, ça fera un trike ça. Eh bien, elle me paraît très belle. Mais je me demande si cette moto est sûre. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Vous devriez aller faire une petite balade avec. J'ai pas que ça à foutre, un tour aller autour dépêche, de Cherry Tree Hills et des docks d'Auburn devrait suffire. Faire une course avec la moto.
Oh non! Ça va me causer des ennuis. Oh non! Une petite jump au passage. C'était laborieux, hein. On a quand même fait quelques cartons. Hein. Plutôt rapide, et elle est encore en un seul morceau. Chose promise, ouais. Chose due. Vous trouverez le fourgon pénitentiaire là-dedans. Voilà, on a débloqué les courses. Avec une jolie petite voiture. Et on va aller s'occuper du fourgon pénitentiaire. Le guide. Alors, la route peut paraître longue, hein, mais on va y arriver. Oh non ! Oh, les mecs, ils se jettent sous la voiture, quoi. Je vais traverser. Ça devrait aller.
Voilà, on est arrivé à destination. On se reverra, toi de Maud et Luca. Je vais effectuer cette peine les doigts dans le nez. Même si j'ai ni doigts ni nez. Et voilà la paperasse. Maud et Luca devraient rester derrière les barreaux au moins 8 ans. Grâce à toutes ces contraventions. Encore une affaire bouclée. Voilà la dernière journée de mes 36 années de carrière qui s'achève. Et tout ça sans le moindre blâme. Pat, je viens chercher Maud et Luca. C'est ballot. Hé hey, tout va bien derrière, monsieur De Luca? Toi, je te cause pas. Ferme-la et conduis-moi à Albatros. Si vous insistez. Mais je ne travaille pas vraiment pour la prison. Alors on peut aller ailleurs, si vous préférez. Quoi? Ah, ça! Je savais bien que Vinny ferait quelque chose pour moi. C'est quoi ton nom, gamin? Chase. Connais pas. C'est pas grave. Conduis-moi à la cache habituelle. En fait, je travaille pour Chan Chuang. Mais j'en ai marre. J'ai organisé cette évasion parce que je voulais travailler pour un vrai criminel. T'as pas froid aux yeux, Chase? Rue Cédar, c'est là qu'il y a la cache. On dirait qu'ils ont compris mes intentions. Ça risque d'être un peu mouvementé. Ça m'évite 8 ans à l'ombre, le trajet peut être aussi mouvementé que tu veux. Si on devait noter les évasions, celle-ci mériterait un 7 sur 10. Pas mal, gamin. Ah, je vois pourquoi Chan t'a engagé. T'es plutôt doué au volant. Eh oui. Oh, tout ça me rappelle avec nostalgie la fois où Jimmy m'a dans le coin. Ça veut dire qu'il faut que je recommence. Et ouais. Il m'a retourné le camion, alors du coup, forcément, ça marche moins bien. Hey, tout va bien derrière, monsieur De Luca? Toi, je te cause pas. Ferme-la et conduis-moi à Albatros. Si allez, on a refait mon crispé. Mais je ne travaille pas vraiment pour la prison. Alors on peut aller ailleurs, si vous préférez. Quoi? Ah, ça! Je savais bien que Vinny ferait quelque chose pour moi. C'est quoi ton nom, gamin? Chase. Connais pas. C'est pas grave. Conduis-moi à la cache habituelle. En fait, je travaille pour Chan Chuang. Mais j'en ai marre. J'ai organisé cette évasion parce que je voulais travailler pour un vrai criminel. T'as pas froid aux yeux, Chase? Rue Cédar, c'est là qu'est la cache. On dirait qu'ils ont compris mes intentions. Ça risque d'être un peu mouvementé. Ça m'évite 8 ans à l'ombre, le trajet peut être aussi mouvementé que tu veux. Si on devait noter les évasions, celle-ci mériterait un 7 sur 10. C'est de pas faire comme tout à l'heure, hein, se faire retourner parce que sinon, on est mort. Ah, je vois pourquoi Chan t'a engagé. T'es plutôt doué au volant. Ça me rappelle avec nostalgie la fois où Jimmy Patancoin m'a flanqué dans son coffre pour passer la frontière. Ah, le bon vieux temps. J'arrive pas à croire qu'ils allaient me mettre au trou pour 8 ans à cause de quelques bêtes contraventions. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un avocat plutôt que de me défendre moi-même. On n'est plus très loin. Alors, tu veux vraiment changer de bande et passer chez Vinny? Oui. Je pourrais peut-être te donner un coup de pouce, gamin. Tu sais, tu m'es bien sympa. Mais ça va pas être simple avec Vinny. Va falloir que tu fasses un truc qui sorte de l'ordinaire pour qu'il t'accepte. Je suis prêt à tout, monsieur De Luca.
Fais le tour du fourgon et viens m'ouvrir. Et voilà le colis livré. Merci. Mo, tu t'es échappé. On élaborait justement un plan pour te faire sortir d'Albatros pour Vinny. Trop tard. Ce gamin vous a devancé. Débarrassez-vous de ce fourgon. Merci, Chase. Je te tiendrai au courant. Et voilà, mission accomplie. Hey Chase, je crois que j'ai trouvé ton sésame pour approcher mon cousin Vinny. C'était rapide. Qu'est-ce que c'est? Mon beau-frère travaille à l'aéroport. Ils auraient reçu une cargaison de gadgets high-tech d'une entreprise de sécurité basée en Orient. Je sais de façon sûre que Vinny aimerait beaucoup mettre la main dessus. D'accord, mais comment est-ce que moi, je mets la main dessus? Bon. D'habitude, j'aime pas trop m'impliquer en personne dans les combines. Mais tu m'as rendu un fier service au tribunal, alors... Je vais t'aider sur ce coup-là. Retrouve-moi sur le parking, au sud de l'aéroport. Je m'y rends tout de suite. Et bien on verra ça sur le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien et salut à tous.